Zanji Kumalala. Utantara ikonaru. Tantara avilu. Indra yandi. Akis. Itiriri na andi. Nyerata wanchana. Nande anatsi. Nandalu ansirate. Ambusta. Kenaransu. Busi. Ilata. Nyampis maraina. And then at sim, Ire, and so chan at sim, and then a makin if which in the sar, Sinitunja and Lai, Nakdur, Sinitunja Sartan, Nambusol, Nambus, Nantelefon, Namut, Sinitunja, Fajetanaf, Nablikenaf, Kaskatsi, Nitunja Ftova, Nanajuvanja. Ça fait un moment qu'il n'y a plus aucune trace de civilisation à l'horizon. Il n'y a plus que cette montagne rouge sang pour me souhaiter la bienvenue. Rankis, la priorité, ça va être de trouver de l'eau. Mais on est en saison sèche. Ici, on a un lit de rivière qui justement est asséché. Alors, on va quand même descendre dedans et le remonter jusqu'à ce qu'il devienne un canyon. Et c'est là où j'aurai certainement le plus de chances d'en trouver et de progresser rapidement dans les montagnes. Malheureusement, mon canyon s'est transformé en plaine aride. Donc il faudra continuer. En fait, ici, tout a été brûlé. Même pas pour en faire du taf. Simplement pour que l'herbe qui repousse crée des pâturages pour les bêtes. Mais tout est aride. Et dans ma malchance, j'ai la chance de tomber sur une superbe plante. C'est de l'aloès qui porte le nom de l'issal. On la trouve qu'ici, dans ces montagnes. Et comme toutes les aloès, elle a des propriétés incroyables. Alors je vais en garder une feuille avec moi. Et je devrais pouvoir, en la tranchant et coupant des nervures comme ça, faire couler la sève qui est dedans. Et cette sève, je peux m'en servir déjà comme une super protection contre le soleil, sinon je vais finir par brûler. Et si j'ai des plaies, je me suis déjà blessé. Et ça va cicatriser. Ça, c'est cadeau de la nature. Les enfants, il faut savoir que un arbre, ça pousse dans l'eau. Du coup, là où il y a des arbres, normalement, il y a de l'eau. Ici, il n'y en a nulle part d'où je viens. Mais là, dans le creux de la falaise, il y a un grand amas de végétation avec des grands arbres. On peut même voir des plantes grimpantes sur la falaise. Ça veut dire qu'il y a sûrement de l'eau qui s'est infiltrée et qui est filtrée par la montagne. Donc avec un peu de chance, il y a un peu d'autres sources en bas, je vais aller voir ça tout de suite. Effectivement, il y a bien une source. En fait, c'est cette petite source qui alimente tout cet écosystème. Ce serait l'endroit idéal ici pour poser mon campement. Il fait frais, il y a de l'ombre, il y a du bois, il y a de l'eau, peut-être même de la nourriture. Mais là, elle est stagnante et j'ai pas le temps de la traiter. Il faut que j'avance le plus possible aujourd'hui. Et les Indes, c'est la première fois que je peux observer une famille entière de lémuriens. Un état sauvage, regardez ça. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous les voyez ? Incroyable. C'est ce qu'on appelle des maquis kata.
Et juste en dessous, on trouve enfin de l'eau ruisselante. Et ça, c'est très bon signe. Merci les anges gardiens. On arrive à la fin de la journée. Mais on est en train de trouver la source qui va alimenter ce canyon. Je devrais pas manquer d'eau. La prochaine étape maintenant, c'est de pas tarder à faire un abri pour la première nuit. Et faire du feu. Là, il faut que je me mette au travail. J'ai plus de temps à perdre. Et pour me construire un abri, on va se servir des opportunités qu'on trouve dans la nature ici. Il y a un arbre qui est déjà tombé. Alors je vais défricher toutes ces branches là. Et je vais mettre des feuilles. Ici on a du pandanus, mais ça ne va pas nous servir. Toutes des grandes fougères pour faire un toit. Et après on va faire un feu tout de suite sans perdre de temps. Ça devrait suffire comme abri de fortune juste pour cette nuit. Maintenant que la voiture est faite, je vais creuser une tranchée pour dormir et je vais y installer des herbes, de la paille, pour me faire un matelas un peu confortable et qui va m'isoler du froid du sol parce qu'on perd beaucoup de sa chaleur par le sol, par la tête. Ça fait une heure que j'essaye de faire du feu par réflexion et que j'y arrive pas. Et là, j'ai plus le temps. Si je veux du feu pour pouvoir manger ce soir, pour avoir chaud, pour chasser ces moustiques, je vais vous montrer un truc, les enfants. Si, comme moi, vous avez dans vos appareils électroniques une grosse pile et dans votre poche magique de la paille de fer, on va essayer de créer des étincelles avec cette paille de fer et de... Oui, on a du feu. Là. Tout de suite. Allez, on va mettre la soupe à cuire et puis on va se laver un petit peu avant d'aller dormir. Ben, j'ai pas trop mal dormi, ce qui est assez extraordinaire dans ces conditions. Bon, on dort une ou deux heures et on se réveille pour raviver le feu et on se rendort. Mais le feu est toujours vivant. Et on n'a pas très envie de se manger une plâtrée de pâtes au réveil. Mais il faut de l'énergie pour commencer cette journée, donc il n'y a pas trop le choix. Thank you.
J'ai trouvé des bananiers. Les bananes sont vertes. Et si je les fais cuire, elles devraient être comestibles et très bonnes contre la diarrhée. Autre chose, si vous n'avez pas d'eau, il y en a dans le tronc des bananiers. Vous pouvez essayer de prendre du bambou, fabriquer une paille avec. J'ai perdu ma paille. Elle est dans ma main. Faites une fente. Vous voyez, il y a de l'eau qui coule. On va planter notre paille. Et là, on a de l'eau. Alors, j'ai tenté de couper. Et je me retrouve face à un point d'eau. Et ça bouge. Il y a des grandes chances que ça soit des crocs. Je ne vais pas prendre le risque. Je trouve un autre chemin. Salama. T'as de vato. Quel homme t'as de saphir. Maïta. Carte. Nastro, hein. Elle cherche aussi des pierres précieuses. Des saphirs. Mais elle trouve pas. Il y en a qui cherchent avec des moyens un peu plus lourds. Et avec des gardes armés. J'en ai croisé, mais j'ai évité de sortir la caméra. C'est pas ceux que j'espérais rencontrer. Un bon truc, les enfants, que vous pouvez faire, c'est mettre de la semoule dans de l'eau froide, dans une bouteille. Un peu comme des pâtes, ça va gonfler pendant une ou deux heures pendant que vous marchez. Sauf que là, au moins, ça sera bon à manger. Et ça vous évite de vous arrêter pour cuisiner, d'essayer de faire du feu au milieu de la journée. Et vous pouvez même continuer à le manger en marchant. Ça vous fait gagner beaucoup de temps et beaucoup, beaucoup d'énergie. Je veux profiter de ne pas encore ressentir trop la fatigue pour avancer le plus possible. Mais de marcher dans l'eau, de marcher dans le sable qui s'enfonce, ça vous pompe toute votre énergie. Et moralement parlant, de suivre un canyon dont on ne sait jamais où il vous emmène. Mais bon, tant que je sais que le soleil est dans mon dos, que j'ai mon ombre en face de moi, je vais bien vers le sud. Je vais m'installer là contre la paroi, faire du feu ici. Ça va renvoyer un peu de chaleur et me protéger du vent. Avec une pierre à feu, on va pouvoir créer des petites étincelles. Désinfecter toutes mes plaies, me laver un peu. Il y a la soupe.